L'implication et l'accompagnement des médias dans la campagne pour le civisme fiscal s'avèrent très importantes pour atteindre les assujettis. C'est la démarche qu'a entrepris la Coordination pour le changement des mentalités en réunissant les responsables des médias de Kinshasa. La CCM va également organiser dans un avenir proche un séminaire à l'intention des hommes et femmes des médias sur la question. Ce jeudi 23 septembre 2021, la Coordination pour le changement des mentalités a tenu une réunion avec les responsables de médias de la RDC. Objectif, solliciter l'accompagnement et l'implication de médias dans cette campagne. Car la presse est considérée comme le quatrième pouvoir. Son implication s'avère indispensable pour vulgariser le message de cette campagne, notamment le paiement des différents types d'impôts et taxes, ainsi que les redevances pour contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Dans son intervention, le coordonnateur de la CSM, Jacques Kangoudia Mutambay, a présenté la situation actuelle du fisc en RDC. Il a souligné que selon les statistiques fiables de la Direction générale des impôts, sur 80 millions d'habitants, seuls 200 000 contribuables payent leurs impôts. Ceci constitue une faiblesse des ressources financières de la RDC. Prenant la parole, le coordonnateur adjoint de la CSM en charge de l'administration et des finances, Jacques Kambala Chilombo, a présenté le bien fondé de cette campagne qui vise à instituer la culture fiscale en RDC afin d'accroître les recettes de l'État et de répondre aux besoins sociaux de base. Par ailleurs, la CSM a annoncé l'organisation dans un futur proche d'un séminaire à l'intention des hommes et femmes de médias dont les animateurs seront ses responsables de médias. Il s'en est suivi des échanges à bâtons rompus qui ont permis au bureau de la CSM d'enregistrer des critiques constructives pour une communication efficace sur le terrain dans l'objectif de renflouer les caisses de l'État. L'Union nationale de la presse du Congo, à travers tous ses membres disséminés à travers la République, nous allons appuyer cette campagne. Les coordonnateurs de la CSM et son adjoint sont satisfaits de ces échanges. Toutes les interventions, quand bien même il y a eu des critiques, et nous avons compris que ce n'était pas des critiques pour pouvoir diminuer, mais c'est les critiques pour pouvoir relever, améliorer ce que nous sommes censés faire ensemble. Et nous allons mettre en place un comité qui est déjà d'ailleurs mis en place et qui va réfléchir sur la faisabilité de ce qui va être fait dans la... Nous avons beaucoup aimé la promptitude avec laquelle tous ces responsables de médias ont répondu à notre invitation et surtout leur participation dans les échanges qui nous révèlent jusqu'à quel point tout le monde attendait ce moment pour qu'on chemine ensemble. Et ça, c'est ce que nous retenons de grand dans cette rencontre. Soulignons ici que cette rencontre s'inscrit dans une longue série de rencontres avec les acteurs sociaux, notamment les églises et les influenceurs.